aujourd'hui on était un nouveau jour et c'était un jour magnifique. Pourquoi? Parce que Rach fait des nains. Parce qu'il y a une musique magnifique. Est-ce que je vais aller prendre la douche et que ça fait plaisir? Oui, à tout à l'heure. Alors, je fais une nouvelle recette de cake brésilienne avec farine, avec au lait de coco, cardamome, cannelle et beaucoup d'amour. Et muito bom. Agora eu tenho tudo. Ah, fala français. J'ai mis la caméra, maintenant elle arrête de parler français alors que ça fait une heure qu'elle nous fait un discours en français. Elle me regardait. Tenho tudo. Como se était bizarre. Maintenant, j'ai à tout. Signifie Canada. Ça veut dire que j'ai tout à faire, ça veut dire ça? Non. C'est sûr. Non, mais c'est pire. Eu tenho tudo. Tudo de quê? J'ai à tout. Non, mais você tenho tudo de quê? Papá! Muito engraçado! Já é isso, eu tenho tudo! Por longtemps, j'ai étudié le français dans une méthodologie traditionnelle. Uhum. Dans écolé, à l'école. À l'école, ou autodidacte. Sim. Et je n'ai pas compris parce que je n'ai pas parlé. Uhum. Et pas de pratique. Maintenant, j'ai à tout. J'ai à pratique, Agora eu tenho tudo. Ah, maintenant j'ai accès à tout. Ah, j'ai tout. Tipo, seria agora eu tenho o acesso de tudo, por tudo. Oh! Voilà, ça c'est mon quotidien. Je vis avec cet être humain tous les jours de ma vie qui fait des choses comme ça, confinement ou hors confinement. Ah ouais, c'est pas lié au confinement. Non, c'est pas lié au confinement. Ouais. Et souvent elle dit rien, elle fait ça d'un coup et tu comprends pas. Ça s'appelle le danse de le vent. Ah, le danse de le vent. Non mais on comprend mieux. À ce qui paraît, sur ta chaîne Instagram, sur ton truc Instagram, t'as mis la recette du nan. Il paraît. C'est quoi ton Instagram? Suis-moi sur Insta. Merci. Girando, eu paro de fiar. Trabalho cantando na roca de fiar. Il y a des abeilles partout dans notre cuisine. Você vai se proteger ou você vai vir aqui? Ah, não, tchau, valeu. Então, à vontade. On va mettre du miel dans une coupelle, on va mettre la coupelle ici. Tu vas vous faire mettre la fille. Isso. Isso. Compartilha com ela que te ofereceu. Sim, porque ela quer comer uma coisa doce. Não, ela veio lembrar que isso aí é dela. Ah, c'est mieux. Quase que eu morri. Ela estava querendo me matar. Eu vi nos olhos dela. Ela é revenue. Elle veut manger des pois chiches. Je vais lui indiquer que je lui ai mis du sucre pour voir se nourrir. Non mais elle veut ma crêpe d'herbe. Non, elles sont deux pour leur ma crêpe. Folle. Elle est juste là. Sandra, elle a cuisiné pour nous. J'ai l'impression dans mes vlogs, c'est vrai que je montre que les moments où on mange. Mais en période de confinement, c'est un petit peu genre les événements de notre vie. C'est pas faux? Hein? Ouais, mais il se passe pas grand chose à part travailler, dormir, manger. Faire du sport. Et c'est vrai qu'on mange très bien. Et si tu veux savoir ce que c'est, ce sera dans un journal de bouffonnettes.
cuisine, elle nous a fait du gâteau. Et du coup, j'aimerais manger en remarquer Joëlle, merci pour le gâteau. Raj, il est en mode houmous. Il doit être minuit et Raj, il fait du houmous. Voilà. C'est ça la vie en confinement. Tu fais comme tu peux. On s'occupe. Et je demandais à Raj tout à l'heure, Raj, comment on va faire pour s'occuper pendant encore un ou deux mois? Un ou deux mois? Je sais pas, ça va durer jusqu'à quand? Tu vas pas rester un ou deux mois. Hein. De quoi? Tu vas pas rester un ou deux mois? Oui. Tu vas aller où? On va partir. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour s'occuper? C'est terrible. Moi, je fais des vidéos. Voilà. J'ai fait plein de vidéos, j'écris des vidéos. Je fais ma petite vie tranquille. Regarde, je monte ma petite installation. Tac, tac, tac. Finalement, cette chambre, c'est le meilleur endroit de la Terre pour faire des vidéos. Donc, je suis là, je fais mes petits trucs. Là, je suis en mode. J'écris des vidéos. Blablabla. Et je les tourne direct grâce à cette magnifique lumière qui, pour l'instant, marche. Mais là, je t'avouerai, j'allais faire une autre vidéo, mais je suis fatiguée. Je suis vraiment épuisée. Je suis vraiment, vraiment épuisée. En fait, là, J'ai fait que 4 vidéos. C'est vraiment pas beaucoup, en fait. Bon. Je fais beaucoup de trucs encore aujourd'hui. Mais je suis un peu déçue. J'aurais bien aimé en faire plus. Bon, j'ai écrit et tourné 4 vidéos. En ce moment, je lis ce livre qui est vraiment chouette. Qui s'appelle La coureuse de Maya Mazoret. Je t'en ai vite fait parler. J'en suis là. Et ça va, je suis fière de moi là. J'en suis à ma 186e page. J'y vais doucement. Le soir, je me couche et je lis jusqu'à que je dorme. Et j'adore ce rythme. Je l'avais déjà avant le coronavirus. Il me reste que ça. Je l'avais déjà avant le coronavirus. Et j'aime trop passer mes soirées à lire. C'est génial. Et d'ailleurs, tu sais que j'ai toujours pas commencé à regarder des séries sur Netflix pendant mon confinement. Je pense que je commencerai pas. Je préfère faire mes trucs, moi je. Mon rythme, tu le sais, je te dis à ti, je me lève le matin, bam bam bam. Mes petites échasses, mon petit sport, après bam, des vidéos, soit écriture, soit montage, soit tournage. Pendant toute la journée, jusqu'à minuit. Minuit, je vais dans mon lit. Je fais ma petite douche chaude. Après je vais dans mon lit, je lis des livres. Et là, minuit, mon corps me dit hep, va dormir. Donc je vais aller dormir. Je te souhaite une bonne nuit. Très bonne nuit, j'espère de tout mon cœur que toi ça va et que c'est pas trop dur. Si jamais c'est dur, tu sais que j'ai une chaîne peut-être qui peut t'aider, c'est une chaîne de relaxation et d'accompagnement. Elle s'appelle Les bruits de la vie et en fait c'est une chaîne dans laquelle je publie des vidéos très régulièrement. Il y en a en ce moment, en période de confinement, il y en a 3 par semaine à peu près. Et soit c'est des vidéos où on entend des bruits de choses, par exemple ça peut être de l'eau qui coule. Ça peut être des bruits dans la forêt, des bruits des oiseaux, des bruits de pluie, des bruits de la mer, des choses comme ça. Soit il y a des vidéos où tu entends des bruits de maison. Par exemple, des fois je mets ma caméra et c'est juste ce qui se passe dans la maison. Et je pense que pour les gens qui sont seuls, ça peut être un accompagnement. Soit il y a des vidéos dans lesquelles je dors et je fais des siestes avec un temps donné et on se réveille ensemble de la sieste. L'idée c'est d'être que tu sois pas seule pour dormir si jamais tu as des difficultés à dormir. J'ai des vidéos aussi où je travaille, beaucoup de vidéos où je travaille. Et mon idée aussi c'est que si tu dois travailler et que tu veux pas être seule, que tu as besoin d'une compagnie, bah, tu me mettes en fond et que je sois là, voilà, avec toi. Il y en a avec musique, il y en a sans musique. Et voilà, peut-être si c'est dur, et bah, ça peut être une piste. J'ai fait beaucoup de vidéos là pour justement aider les personnes qui étaient seules pendant le confinement. Mais normalement c'est une vidéo par semaine, bah, c'est mon rythme normal. Là je suis à 3. Bref, et si tu as des enfants et que tu as besoin de souffler un peu, sache que j'ai aussi une chaîne de livres. C'est une chaîne où je lis des livres aux enfants, tu vois, dans des beaux livres comme ça. Des jolis livres, tu vois, comme ça, qui me viennent d'une maîtresse française qui est merveilleuse. Et je lis des jolis livres pour les enfants. Et quoi? Et ça me rend heureuse. Et ça permet un peu de laisser les parents peut-être par moment un peu tranquille, voilà, pour souffler. Bref, il a l'air cool là, la grande fabrique de mots, il a l'air trop bien. Enfin bref, en fait je me régale quand je lis les livres pour enfants. Je te fais des bisous, d'accord? Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.
T'aimes fort? Descubra essa.